La douane, de temps à autre, nous travaillons en concert avec Band Right Holders qui requestent nous pour protéger notre marque à l'importation. En plus de ça, MRE a agi de son propre chef. Même si Pénan a un request pour protéger une marque à l'importation, nous sommes capables d'agir de notre propre chef et puis nous informons Band Right Holders pour la marche à suivre. Si Right Holders l'inie dans ce délai, pour lui entamer une procédure pour qu'il puisse faire après, soit pour poursuivre un importateur qui amène un produit contrefait, ou soit il peut décider qu'il peut faire. Jusqu'à cette année, nous pouvons faire une protection à l'importation. Et maintenant, la MRE a le pouvoir pour agir sur le marché local pour un produit qui finit mettre en vente. Et nous avons une additional powers pour nous agir le un produit contrefait de concert avec les autres stakeholders et les right holders. Nous faisons ça l'exercice-là, nous ne pas laisser aucun produit contrefait aller, nous faisons détruire lui parce qu'il est capable dangereux pour les consommateurs. Nous pas besoin de l'utiliser au niveau sac ou vêtements capables de venir produit qui n'est pas bon pour la peau. Et nous faire le même principe pour tout, si demain il y a un médicament ou un produit alimentation qu'il contrefait, il est capable, fatal pour les consommateurs. Qu'il y a un produit de consommation, médicaments et vêtements, sacs, accessoires, nous agir d'une seule façon. La destruction nous fait le offrir de l'importateur et en collaboration et sous la supervision de Band Right Holders. Et dans un produit qui nous saisit en 2014-2015, nous finissons de détruire, ça dépend combien de temps il prend pour le case terminer. Quand nous gagnons une quantité raisonnable, là nous organisons une destruction comme ça. Il y a environ 2 à 5 jours, parce qu'il y en a beaucoup. Là nous montrons notre essentiel, mais il y a 3 cartons, 3 boîtes. Les représentants, nous, sinon, tout avec nous, la mortiqueuse, nous, on fait ça.